séraphins, les chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Les bras sans tes bros, sadadabro, l'ikete te bro, santa kadada, l'ikarama sura la vie, l'iramama sole brocha, l'idede de santé que bro, la rama sura de côté la dosha, la rama sura de côté de santa rima mama mama con la rama de sole, rito robo sole. Patriaca Otto dans Antioche et de l'Orient. L'éparchie Otto dans sa poste solidaire orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique en Côte d'Ivoire. La paroisse Théotokos d'Abidjan Cocody en Gris organise la divine liturgie d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Du 26 octobre au 1er novembre 2020, du lundi au vendredi, de 18h à 19h, confession, divine liturgie, du lundi au samedi, du 19h30 à 20h30, dimanche à 10h. Célébrant Abba à Chiapa comme Marie, en direct sur Facebook Live et YouTube Live, Info Live 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. Le patriarcat Otto dans Antioche et de l'Orient. L'éparchie Otto dans sa poste solidaire orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique en Côte d'Ivoire. La paroisse Théotokos d'Abidjan Cocody en Gris organise la divine liturgie d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Du 26 octobre au 1er novembre 2020, du lundi au vendredi, de 18h à 19h, confession, divine liturgie, du lundi au samedi, de 19h30 à 20h30, dimanche à 10h. Célébrant Abba H. En direct sur Facebook Live et YouTube Live, Info Live 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. Shalom, 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 guerrier de prière. Guerrier ou pas guerrier, 2020, c'est mon année de progrès illimité. Shalom, guerrier de prière, toi qui es connecté ce matin sur Facebook, sur YouTube, sur Caris TV, que Dieu te bénisse d'une façon extraordinaire en ce jour. Le psaume 9, le verset 2 nous dit, « Je te louerai éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. » Est-ce qu'un guerrier peut commenter ce moment en disant « Je raconterai toutes tes merveilles » pendant que nous partageons ce direct, pendant que nous racontons les merveilles du Seigneur dans tous les groupes auxquels nous appartenons, pendant que nous envoyons le lien à nos contacts WhatsApp, nous qui sommes sur YouTube, pendant que nous partageons au maximum ce direct, est-ce que quelqu'un peut dire « Je raconterai toutes tes merveilles, Seigneur, en ce matin ?» Et nous allons répéter ce cycle de partage chaque 10 minutes, bien-aimé. Si tu as partagé dans 10 groupes, dans 10 minutes, tu partages à nouveau afin d'apporter la nouvelle à quelqu'un, afin d'apporter la lumière, la bonne nouvelle à quelqu'un qui en a besoin. Amen. Et confesse avec moi ce matin. Mets les deux mains sur la tête et déclare, « Oh Dieu, ce matin, je déclare et tu dis ton prénom, que moi, Kania, que moi, guerrier de prière à Chia, je raconterai toutes tes merveilles. »
dans ma famille, dans mon travail, dans mes finances, dans mon mariage, dans ma santé. Je raconterai toutes tes merveilles ce jour. Partout j'irai, oh Dieu, je raconterai tes merveilles. Ma vie racontera tes merveilles. Mon travail racontera tes merveilles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Ensemble, nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue aux prières prophétiques. Bienvenue à Devancer l'Aurore avec les prières prophétiques de Abba Ashia Pakom Marie. Bien-aimés, nous allons sanctifier notre lieu de prière. Nous allons prendre notre sel prophétique et nous allons imposer la domination de Dieu et chasser toute présence impure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Jésus trois fois et vous répétez après moi. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, lorsque tu as rencontré Moïse au buisson ardent en Exode 3, le verset 5, tu lui as dit d'ôter ses sandales parce que le lieu où tu l'as rencontré était saint. Lorsque tu t'es révélé par ton ange Michael à Josué, en Josué 5, le verset 15, tu lui as dit d'ôter ses sandales parce que le lieu était un lieu sanctifié. Père, le lieu où je commence ma prière ce matin, je le sanctifie, je sanctifie les quatre coins cardinaux et je jette du sel dans ces quatre coins cardinaux pour imposer dans ce lieu la domination de Dieu et des anges de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ensemble, nous disons le Gloria Patri, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous parlons maintenant à notre ange gardien, nous parlons maintenant à Saint-Michel Archange et nous disons cette prière ensemble. Mon Dieu, je vous offre mon cœur, mon esprit, mes pensées, mes paroles, mes actions, tout moi-même pour ne servir que votre gloire. Je renouvelle les promesses de mon baptême en ce matin. Mon ange gardien, je vous aime tendrement. Je vous remercie de m'avoir gardé cette nuit pendant que je dormais. Gardez-moi, s'il vous plaît, pendant ce jour, sans malheur ni accident et sans offenser Dieu, au moins mortellement. Amen, amen, amen. Ô Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez nos protecteurs contre la méchanceté et les embûches du diable. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Basile et tous les saints des églises et paroisses environnantes, intercédez pour nous dans tous les domaines de nos vies, tout au long de cette journée. Amen, 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 amen. Bien-aimé, je t'invite à prendre ton eau prophétique. Je t'invite à prendre ton eau bénite et nous allons nous asperger avec cette eau en répétant cette prière après moi. Nous disons Jésus trois fois et nous y allons. Jésus, 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 mon Dieu, par cette eau prophétique, par cette eau bénite et par le sang précieux de Jésus mon Sauveur, fais-moi miséricorde. Fais également miséricorde à mes parents et à toutes les âmes du purgatoire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous allons dire merci à notre Dieu. Colossiens 3, le verset 17 nous dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. Et tu répètes cette prière après moi, guerrier de prière. Mon Dieu, je t'adore. Je te reconnais comme mon Créateur et mon souverain Seigneur. Je te remercie de tout mon cœur de m'avoir gardé cette nuit. Je t'offre mon repos, mon âme et toutes mes actions de cette journée. Accorde-moi la grâce que mes actions soient unies aux actions de Jésus-Christ et consacrées à ta gloire. Ce matin, je désire poser toutes mes actions selon tes sentiments et tes volontés. Je demande la grâce de vivre cette journée dans une plus grande sainteté que les journées passées. Et si je dois t'offenser volontairement, corrige-moi, Seigneur. Sainte Vierge Marie, toi, ma mère, obtiens-moi la grâce de vivre une journée de sainteté et donne-moi ta sainte bénédiction. Saint Joseph, toi, mon Père et le protecteur de mon âme, protège-moi. Mon ange gardien, Saint Michel, mes saints patrons et patronnes, et vous tous, saints et saintes, dont toutes les églises catholiques, orthodoxes et romaines, célèbre aujourd'hui la mémoire. Secourez-moi dans tous mes besoins et priez
priez pour moi afin que Dieu me garde de toute mort subite, de tout accident, de toute noyade et de tout feu, de tout péril, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons maintenant annuler les mauvais rêves. Le psaume 35, le verset 26 nous dit que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Nous allons dire Jésus trois fois. Feu du Saint-Esprit trois fois. Et tu vas répéter après moi cette prière. Jésus, 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 feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Dieu éternel et tout-puissant, je te remercie pour ce temps de repos que tu m'as accordé. Merci pour tous les rêves que tu viens de me faire voir. Je te les offre. Je te prie de couvrir toutes ces choses par le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de ma délivrance, ce matin je te présente pour annulation et reprogrammation en ma faveur tous les mauvais rêves que j'ai eu à faire, que je m'en souvienne ou pas. Je brise les rêves où je me suis vu enfermé dans une prison. Je commande que les chaînes de toute captivité tombent ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que tout serpent qui a enroulé mes pieds pour m'empêcher de progresser soit dépecé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que mon âme sorte de tout endroit sale dans lequel je me retrouve toujours en rêve. J'ordonne que tout mari de nuit, toute femme de nuit, tout enfant de nuit qui oppresse mes nuits et qui m'imposait des relations sexuelles contre mon gré ou malgré moi, retourne dans les abîmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'ordonne à mon ventre de vomir toute nourriture qui a été enfoncée dans ma gorge pendant mon sommeil, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que la terre de mon village restitue tout ce qui a été caché dans son sein par mes oppresseurs dans mon sommeil, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, j'annule toute rétrogradation, de limitation, de stagnation, dans lequel je me retrouve toujours en uniforme scolaire, alors que je suis brillant dans la vie de tous les jours. J'annule tous les rêves qui me ramènent toujours au village, alors que je suis à des centaines, voire des milliers de kilomètres de mon village. J'annule toute programmation d'échec, d'humiliation, de rétrogradation, de maladie, de mort subite sur ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang, ô Dieu, purifie mon âme, mon esprit, mon corps, de tout poison satanique, de tout dépôt démoniaque que les sorciers ont semé dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je commande que leurs effets soient retournés à leur commanditaire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis en ce matin tout complot de l'adversaire par le sang de Jésus et par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout œuvre de l'adversaire pour me mettre à terre cette année soit dispersée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout agenda de sorcellerie contre mon élévation cette année soit annulé et anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout agent du diable qui planifie de renverser mes projets soit frappé par le jugement de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir de serpent et autres animaux démoniaques qui me poursuit dans mes rêves et mes lieux de bénédiction meurt maintenant même par le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus, je me purifie de toute relation sexuelle faite en rêve. Par le sang de Jésus, j'annule le fait de toute nourriture et boisson démoniaque consommée en rêve. Je détruis toutes les charges démoniaques imposées par mes paroles et par mes ennemis dans mes rêves au nom puissant de Jésus. Tout messager de Satan assigné pour renforcer, pour appliquer mes paroles, pensées contre moi dans mes rêves, je leur commande de se replier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce et j'annule toute parole sortie de ma bouche que les forces des ténèbres tiennent contre moi dans mes rêves au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, j'annule et j'efface des archives des ténèbres toutes les paroles mauvaises prononcées contre mes enfants, contre mon conjoint, par moi ou par quiconque, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je réclame toutes les bonnes choses perdues en rêve et je déclare que tout échec devienne victoire, toute pauvreté devienne richesse, tout retard devient accélération,
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la restauration divine pour toute goutte de sang aspirée par les sorciers dans mes rêves. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle la restauration de toute énergie que j'ai perdue en rêve. J'appelle la restauration divine pour toute opportunité financière bloquée par les méchants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la restauration divine pour la gloire, la promotion que l'ennemi m'a volée depuis le ventre de ma mère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que 1000 tombera à mon côté et 10 000 à ma droite. Moi, je ne serai pas atteinte. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Amen, 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 amen. Je déclare en ce matin que je suis restaurée, je suis affranchie, je suis libérée des pièges du diable, je suis libérée de toute programmation. J'avance victorieuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons maintenant demander pardon à notre Dieu. Bien-aimé, Joël 2, les versets 12 à 13 nous disent, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et des pleurs, avec des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. » Amen, 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 amen. Bien-aimés, répétons cette prière ensemble. Dieu notre Père, je te remercie pour ton amour et pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour la parole qui a atteint mon cœur aujourd'hui. Père, je demande pardon. Pardonne tous mes péchés. J'ai été rebelle et idolâtre devant toi. Pardonne-moi. Lave-moi avec ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, reçois-moi comme ton enfant. Maintenant même, je pardonne à toute personne à qui je n'étais pas en mesure de pardonner. Je renonce à mon manque de pardon. Oh Dieu, je me réponds de toute parole de critique, de jugement que j'ai prononcée contre toi dans le passé. Et j'annule les effets de ces paroles sur ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, je demande pardon pour tout péché incestueux commis par mes ancêtres et caché dans ma lignée de sang qui bloque mon progrès. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé et de toujours t'offenser. Je te demande pardon. Je suis consciente, mon Dieu, qu'il n'y a rien de bon en moi. Les murmures, les critiques, le mépris, l'idolâtrie, l'entêtement, le manque de pardon, les railleries, la colère, l'impulsivité ont envahi mon cœur. Pitié, miséricorde. Pitié, miséricorde. Pitié, miséricorde. Oh Dieu, je suis consciente que par mon manque de sérieux dans les choses spirituelles, je te blesse chaque jour. Je suis consciente que mes négligences, mon manque de foi te blesse gravement. C'est pourquoi ce matin, mon cœur est attristé, car j'ai péché contre toi. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Ce matin, je renonce à tout ce qui bloquait le mouvement de ton Esprit Saint dans ma vie. Et je te demande de me transformer, de me remplir de ta présence tous les jours de ma vie. Merci Père. Merci Fils, merci Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous continuons notre temps d'intercession et maintenant nous allons rentrer dans notre temps de prière pour les points, pour les sujets de prière. Toi qui veux te marier, ne t'arrête pas de poster, d'écrire tes intentions, de commenter. Toi qui intercèdes pour tes enfants, afin que tes enfants rentrent dans la grâce du mariage, commente avec leur nom. Commente ce matin que le mariage s'attache à tes enfants. Commente ce matin que le mariage vient à toi. Toi qui veux travailler, toi qui recherches un emploi, toi qui recherches une promotion, toi qui veux la guérison, ne t'arrête pas de commenter. Les commentaires sont gratuits et partageons, envoyons le maximum de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous prions maintenant pour les célibataires. Cantique des cantiques, le chapitre 3, les versets 1 à 4 nous disent, toute la nuit j'ai cherché celui que mon cœur aime, étendu sur mon lit je l'ai cherché.
je ne l'ai pas trouvé. Il faut que je me lève, que je parcours la ville, ses rues et ses carrefours. Je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. J'ai rencontré les gardes qui parcourent la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine avais-je dépassé, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. Amen, amen, amen. Bien-aimé, feu du Saint-Esprit trois fois. Jésus trois fois. Et nous prions. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Jésus, Jésus, Jésus. Ô Seigneur, envoie ton feu dans ma fondation de vie et consume tout rapport maléfique de mes ancêtres, assigné à me disgracier et à disgracier ma vie maritale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suivrai pas les modèles maléfiques de ma famille, de ma vie maritale au nom de Jésus. Toute fiançaille spirituelle et toute dot ou mariage mené en mon nom, soyez dissous et annulés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déracine, je détruis la racine de toute oppression et toute affliction dans ma destinée maritale au nom de Jésus. Femme ou homme esprit ancestral militant contre mon mariage physique, soit arrêté par le feu divin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir, tout esprit, tout démon, toute méchanceté du méchant qui dit que moi, je ne serai pas établi dans le mariage, meurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute autorité maléfique assise sur ma vie maritale, oh Dieu, que tous ces esprits soient renversés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute malédiction et toute alliance maléfique de solitude au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, partenaire divin, partout tu te trouves, mon partenaire divin, partout tu te trouves, je confesse et je déclare ce matin que tu me localises maintenant, que tu te manifestes à moi par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, pouvoir de l'erreur dans le choix du conjoint, je demande que tu sois disgracié en ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit ouvre mes yeux sur mes possibilités au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le diable le veuille ou pas, moi, je me marierai et mon mariage sera comme le paradis sur terre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons maintenant prier pour les couples en difficulté. Le psaume 91 dit, le psaume 91, le verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Ensuite, Matthieu 11, le verset 28 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Bien-aimés, nous prions, nous disons Jésus trois fois, feu du Saint-Esprit trois fois. Jésus, 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 feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je prie que tu sois glorifié dans mon mariage. Partout où je me trouve, dans les bons comme dans les mauvais moments, aide-moi à ne regarder qu'à toi, dans la foi. J'attends le jugement et la guérison dans mon mariage. Seigneur, je prie pour que ta paix règne abondamment dans mon mariage et ma maison. Tu as dit dans ta parole que la paix que tu donnes dépasse toute compréhension. Je reçois cette paix maintenant. Mon foyer reçoit cette paix maintenant. J'ai choisi de laisser la paix du Christ reposer dans mon cœur. Comme la paix du Christ repose dans mon cœur, elle s'étendra dans mes relations avec mon conjoint, dans ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, montre-moi, montre à mon conjoint également comment suivre ton exemple et mettre de côté notre égoïsme et notre fierté et nous servir humblement. Être un seul esprit, être un seul corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis, ô Dieu, mon mariage. Ô Dieu de paix, bénis mon mariage avec la paix. Bénis mon mariage avec le bonheur. Fais cultiver notre amour pour ta gloire et notre joie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, nous demandons un lien plus fort d'unité dans notre alliance de mariage et ne laissons rien s'interposer entre nous. Au nom puissant de Jésus, je réprimande toute pensée, tout différent. Je réprimande toute méchanceté, tout orgueil que nous avons l'un contre l'autre. Je réprimande tout différent. Je réprimande tout différent, situation et argument dans notre maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, enseigne-nous et guide-nous. Que ce soit toi que nous cherchions en premier dans tout ce que nous fassions. Puisse notre amour être rempli d'une véritable affection.
puissions-nous t'honorer tous les jours dans notre mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, permets aux larmes de détresse, aux larmes de malheur, aux larmes de tristesse qui tombent sur mon mariage de se transformer en larmes de joie. Et je prie que tu sois loué dans ma maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je déclare que toute mauvaise main et langue levée pour troubler ma paix et ma famille et mon mariage se paralyse et meurt au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mets à pied, mets à terre tout ce qui est colère, mets à terre tout ce qui est amertume, mets à terre tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Que ces esprits soient liés et emmenés au pied de la croix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, je prie ce matin que toute pollution dans nos cœurs soit retirée afin que ton amour y règne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous prions maintenant pour l'enfantement. Exode 23, les versets 25 à 26 nous disent, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira, et il bénira votre pain. » Je reprends. Exode 23, les versets 25 à 26, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. » Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Nous disons Jésus trois fois. Fais du Saint-Esprit trois fois et nous prions. Jésus, 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 fais du Saint-Esprit, fais du Saint-Esprit, fais du Saint-Esprit. Bien aimé, je t'invite à poser les deux mains sur ton bas-ventre et tu pries avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, ce matin, par cette imposition des mains, j'ouvre les oreilles spirituelles de mes entrailles pour qu'elles entendent qu'elles sont condamnées à procréer parce que je suis le temple du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Je retire tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie. Examine toutes les visions, les rêves, les mots, les malédictions contraires à la conception et à la grâce de porter un enfant dans ma vie au nom puissant de Jésus. J'ordonne à toute imagination négative qui s'oppose à ma capacité de procréer, de mourir au nom puissant de Jésus. Seigneur, laisse-moi voir ta puissance de guérison dans tous les organes de mon corps liés à la conception et à la poursuite d'une grossesse saine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu qui vivifie les morts, accélère tout ce qui concerne ma conception et que mon ventre soit purgé par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute alliance qui m'empêche de procréer par le feu de Dieu, par le sang de Jésus. Que tous les parasites spirituels qui se nourrissent des graines de mon ventre soient consumés par le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, corrige tout trouble dans le fonctionnement de mon ovaire, de mes trompes et de mon ventre de manière surnaturelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu et le tonnerre de Dieu détruisent ce matin tous les cadenas démoniaques utilisés par l'ennemi pour verrouiller mon ventre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, active mon ventre pour la conception au nom puissant de Jésus. Tout cet vicieux de problèmes répétitifs de fausses couches de ma vie soit brisé au nom puissant de Jésus. Je plonge mes entrailles, mes trompes, mes ovaires, mon appareil reproducteur dans le sang de Jésus. Je déclare ce matin qu'aucun dévoreur ne pourra toucher aux fruits de mes entrailles au nom puissant de Jésus. Je revendique les promesses de Dieu concernant la procréation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous prions maintenant pour le travail et la promotion. Le psaume 32, le verset 7 nous dit, « Tu es ma cachette, tu me préserveras des ennuis, tu me couvriras de champs de délivrance. » Amen, amen, amen. Ensuite, Ecclésiaste 2, le verset 24 nous dit, « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. » Amen. Nous disons feu du Saint-Esprit trois fois et nous prions. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, toi qui réponds par le feu, ce matin, je veux travailler, Père. Que toute forme de limitation placée sur ma vie professionnelle et les œuvres de mes mains soient brisées par le sang de Jésus.
Éternel Dieu, que toute forme de sorcellerie, que toute forme de méchanceté qui œuvre contre ma carrière et mes projets soit consumée par le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, que ta main déracine de ma vie toute fondation de vie de frustration et de chômage au nom puissant de Jésus. Que l'influence des alliances violées par mes parents qui parlent contre moi, qui perturbent ma vie professionnelle, soit annulée par le sang de Jésus. Oh Dieu, que toute malédiction qui crée le chômage et la limitation dans ma vie soit brisée par le sang de Jésus. Que toute alliance qui alimente le chômage dans ma vie meure maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, renouvelle les opportunités de travail dans ma vie. Que ta faveur descende sur moi. Je déclare ce matin que la terre de Côte d'Ivoire, que la terre où se trouve ce guerrier de prière qui prie avec moi ce matin, nous soit favorable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je retire mon nom maintenant et pour toujours de la liste des personnes sans emploi au nom puissant de Jésus. J'ordonne maintenant que les portes des institutions de la Côte d'Ivoire, de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, de la Suède, du Canada, s'ouvre pour moi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour m'accorder cet emploi tant désiré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour le travail que tu me donnes. Merci parce que tu fais de moi la meilleure de ma génération. Merci parce que tu bénis le fruit de mes mains. Merci parce que partout je suis recommandé. Merci parce que je suis le meilleur de mon secteur d'activité. Je suis le meilleur de mon service. Je donne les meilleurs résultats. Je suis celui qui est propulsé vers le haut au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la faveur de Dieu m'accompagne tous les jours de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous prions maintenant pour les affaires et les finances. Le psaume 1, les versets 1 à 3 nous disent: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Je déclare ce matin que tout ce que je fais me réussit. Genèse 26, le verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Nous disons Jésus trois fois. Feu du Saint-Esprit trois fois. Et nous prions: Jésus, 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 feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Oh Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Seigneur Jésus, tu es le Dieu de toute suffisance. Je remets mes finances entre tes mains compétentes. Je prie que tu les télécharges dans ma vie, dans mon sac à main, dans mes poches, dans mon porte-monnaie, sur mon compte en banque, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'appelle l'argent miracle. J'appelle l'argent miracle. J'appelle l'argent miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère les finances du piège du démon. Chaque démon possessif, prenant le contrôle de mes finances, je te détruis au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, tu es le Dieu de toutes les possibilités et je sais qu'avec toi, rien n'est impossible. C'est pourquoi tu m'as donné la domination sur tout ce qui a été créé. Je refuse d'être esclave de l'argent au nom puissant de Jésus. Je reçois l'autorité sur l'argent. Je prends possession de mes finances. Je libère mes finances du contrôle du diable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète par l'autorité de Jésus, qu'à partir de maintenant, le flux ascendant de mes finances ne sera plus jamais affecté au nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit détruit tous les pouvoirs qui me font travailler comme un éléphant et qui me font manger comme une fourmi. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète qu'au nom de Jésus, tout enfant assis sur mes finances s'enflamme au nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit commence à le brûler, commence à brûler tous les géants démoniaques qui refusent de laisser mes finances se reposer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, je détruis
tous les ravageurs et sauterelles. Je les détruis par ton feu. Ceux qui se nourrissaient de mes fumées, je les détruis par ton feu. Je décrète qu'ils prennent feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute créature démoniaque qui ont été envoyées par le diable pour voler ma sueur, je décrète que vous prenez feu. Que vous prenez feu, que vous prenez feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, je prie pour que ta miséricorde, pour que par ta miséricorde, tu m'apprennes à prendre soin de mes finances. Les Écritures nous ont fait comprendre que toute bonne idée vient de toi. Je prie que tu me guides, que tu guides mes mains sur la façon de créer des richesses, donc que tu m'apprendras à gérer et à maintenir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare ce matin que tous mes problèmes financiers sont passés. Mes années d'attente sont terminées. C'est mon heure de témoignage. Je décrète que par le pouvoir du nom de Jésus, mes mains commencent à faire fortune. Je décrète que ma charge financière est élevée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends toute forme de domination sur l'argent. Quand j'appelle l'argent, l'argent répond. Quand j'appelle l'argent, l'argent répond. Quand j'appelle l'argent, l'argent répond. Ce matin, j'appelle l'argent, j'appelle l'argent, j'appelle l'argent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse d'être esclave de l'argent au nom puissant de Jésus. Je refuse de manquer de quoi que ce soit. Je refuse de manquer d'argent. Je refuse de manquer d'opportunités. Je refuse de manquer de bonnes choses. Je refuse de manquer d'argent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je puise dans une dimension raffinée de la bénédiction d'Abraham. Je puise de sa fortune et je commence à débloquer mes trésors cachés. Je libère chacun de mes trésors cachés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me connecte à chaque personne, à chaque homme, à chaque femme qui a été destinée pour me lever financièrement. Je m'attache à cette personne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que je suis comme un aimant. Je dis, je suis assise chez moi, je suis assise dans mon bureau et j'attire l'argent, j'attire l'argent, j'attire l'argent, j'attire l'argent, j'attire l'argent, j'attire l'argent, j'attire l'argent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimé, nous prions maintenant pour l'obtention des papiers. Daniel 4, le verset 35 nous dit, « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que niants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu ? » Nous disons « Feu du Saint-Esprit » trois fois et nous prions. « Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. » Éternel, ta parole nous dit que l'homme a des projets, mais que c'est toi, Seigneur, qui guide nos pas. J'invoque ta grâce ce matin, ô Dieu mon Père, pour réussir à tous mes projets, pour réussir à toutes mes demandes de papier, car tu es mon aide, ô Dieu. Père Céleste, paralyse tout pouvoir familial qui combat mon voyage, qui combat l'obtention de mes papiers et qui bloque mes bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu mon Père, lève-toi en ma faveur pour faire taire toutes les voix méchantes qui parlent contre l'obtention de mon papier, qui parlent contre l'obtention de mon visa, de mon titre de séjour, de ma capacité de mariage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout décret venant des pouvoirs de la sorcellerie qui dit non à l'obtention de mon visa, à l'obtention de mes documents administratifs, soit révoqué et annulé par le sang de Jésus au nom de Jésus. Je révoque et je brise le pouvoir de toute malédiction suspendue qui s'oppose à l'obtention de mes papiers au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cieux de la faveur de Dieu, ouvrez-vous sur mon projet de voyage, sur mes projets d'obtention de papier, pour que j'aie ma carte de séjour, pour que j'aie mon titre de séjour, pour que j'aie mon papier de regroupement familial, pour que tout aille bien pour moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'efface toute marque de rejet sur mon passeport, sur mon dossier, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Et je déclare que toute pierre démoniaque posée sur mon dossier, posée sur mes papiers, posée sur mon passeport, posée sur mon visa, soit brûlée par les anges de Dieu. Mon visa sort par le feu. Mon titre de séjour sort par le feu. Ma naturalisation sort par le feu. Ma carte de séjour sort par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Nous prions maintenant pour la délivrance et la guérison, bien-aimés. Ésaïe 53, le verset 5. Et tu répètes après moi, guerrier de prière. Mais
Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous disons Jésus trois fois et nous prions. Jésus, 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 Dieu. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, Dieu de ma guérison, Dieu de ma restauration. Seigneur Jésus, je me libère de toute servitude démoniaque de maladie au nom puissant de Jésus. J'annonce ma liberté à chaque chaîne qui a été utilisée pour m'attacher, à chaque corps démoniaque qui a été utilisé pour me maintenir malade. Et je me libère maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, lève-toi et laisse mes ennemis se disperser. Tout homme fort qui bloque ma guérison, j'annonce ta mort ce matin. Je décrète par l'ennemi, par l'autorité du nom de Jésus, que l'ange de la mort qui a visité le pays d'Égypte et a tué tous les premiers fruits des Égyptiens ira directement de la maison de mes ennemis et les massacrera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, Seigneur Jésus, tu as enduré la douleur et la souffrance à cause de moi, afin que je puisse vivre une vie confortable. Je puise dans l'alliance qui a été contractée par le sang de Jésus au calvaire. Et je décrète en ce matin que je suis guéri au nom puissant de Jésus. Je brise toutes les forteresses des ténèbres, chaque nuage de maladie planant autour de moi. Je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare en ce matin que les séraphins de Dieu, avec l'épée de flamme, iront devant moi et détruiront chaque attaque qui a été mise en place par l'ennemi pour me rendre malade à nouveau au nom puissant de Jésus. Car il est écrit que celui que le Fils de Dieu a libéré est vraiment libre. Je déclare ce matin que je suis guéri. Je déclare ce matin que mes organes sont restaurés. Je déclare ce matin que je suis en bonne santé. Je déclare ce matin que j'arrête les dialyses, j'arrête les chimios, parce que je suis totalement guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et mon témoignage de guérison est permanent au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, s'il y a un homme ou une femme qui veut réexaminer mon cas pour m'infliger à nouveau une maladie, je déclare que cette maladie se retournera contre cette personne et commencera à tuer son premier enfant jusqu'à son dernier. Et que si cette personne persiste, oh Dieu, que elle-même sa vie soit sacrifiée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets les anges de Dieu en charge de mes affaires et ils commenceront à me guider, à marcher au devant de moi, à guider mon chemin, à me porter afin que mon pied ne heurte aucune pierre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Est-ce qu'un guerrier de prière peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce qu'un guerrier de prière peut bénir le Seigneur sur Facebook, sur YouTube? Est-ce qu'un guerrier de prière peut donner des acclamations, des cris de joie, des émoticônes de cœur, de joie, de danse, des cœurs de like? Et partageons à nouveau, est-ce qu'un guerrier de prière peut dire merci à notre Dieu pour ce temps béni d'intercession? Alléluia! Guerrier de prière, soyons le visage de Christ dans notre entourage. Éloignons-nous de tout débat non constructif où la haine et la division sont semées dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et partout également dans les pays où il y a mésentente. Nous prions ce matin. Bénissons notre pays. Prions pour que la paix, la sécurité, la cohésion soient au sein de nos familles afin que cette paix se répercute, ressurgisse dans notre pays, dans nos villes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Guerrier de prière, que ta lumière brille, que tu attires à toi que de bonnes nouvelles en ce matin, que Dieu bénisse ta journée et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs ainsi que nos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ensemble, nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Patriarcat Orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe apostolique d'Éric Oriental de France, d'Espagne et d'Afrique en Côte d'Ivoire, la paroisse Théotokos d'Abidjan Cocody-Angry organise la divine liturgie d'intercession pour la Côte d'Ivoire.
Du 26 octobre au 1er novembre 2020, du lundi au vendredi, de 18h à 19h, confession, 10 000 liturgies, du lundi au samedi, de 19h30 à 20h30, dimanche à 10h. Célébrant Abba à Chiapa comme Marie, en direct sur Facebook Live et YouTube Live, à full line 0131 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. Let it go, let it go.